Alors nous voilà à Gondiam, on est arrivé plus ou moins, mais alors on n'a pas trouvé le bus pour continuer notre parcours, donc on va essayer de continuer à pied. On a trouvé les coordonnées sur la map, donc voilà à quoi ça ressemble ici. Il neige, donc je suis avec mon ami Christopher là-bas. Et on part à la recherche de la maison à pied. On va peut-être tomber sur le bus en marche, on verra bien. On se rapproche de l'entrée. Il y a un truc très bizarre là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est glauque, bah ouais. Les statues là. On a trouvé l'entrée apparemment, mais il y a pas mal de gens, sinon, je veux pas de travailleurs. Hier, on va essayer de passer par la forêt pour faire plus discret. Bon bah allez, on tente par en haut, on va regarder. Bon, on a décidé de passer par la montagne, donc on va escalader. C'est parti. Allez. Voilà, on vient de monter comme des bêtes. En 2 minutes chrono, on a monté. Et on va essayer de se faufiler vers l'hôpital par derrière, en passant par la forêt. Ouh, c'est parti. S'il a laissé ses papiers, c'est qu'il n'est pas allé si loin que ça. Ouais. Une tombe dans la forêt. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est étrange. Peut-être le propriétaire de l'asile qui s'est pendu dans la forêt. Allez. Bon, bah, je crois qu'on a trouvé. Il y a un bâtiment là derrière les feuillages. Et ouais, donc on va essayer de descendre par ici. Oh my god. On vient de réaliser que l'hôpital il est juste immense. Il y a un grand bâtiment là en haut avec une cour sur le toit apparemment. Et un autre bâtiment là en bas. On va essayer de trouver la meilleure façon de descendre sans trop de casse. Je pense qu'ici ça a l'air plus facile. Oh mon dieu. Ah. Allez, dernière marche. Mais en vrai, je vais me casser la gueule, j'ai l'impression. Ouf. Ah. Oh my god. Ouf. Voilà, on y est. Waouh. Super. Mais la neige, justement, ça rend plus paisible. Ah, je sais pas, ça a un côté un peu encore plus mort, je trouve. Plus mort, ah, ouais. Yuki, mot interdit en ce jour. Tout... Nous ne sommes pas les seuls. Allons-y. Je sais pas ce que c'est ici, mais ah, on dirait des cellules. On dirait des cellules. Ça donne pas envie. Allez, on se dirige vers l'entrée. La route qui est barrée par un arbre. C'est parti. Voilà l'entrée. J'ai failli me casser la gueule. Et c'est super flippant. Alors, bon, bah c'est parti, on doit se. Ah oui, d'accord. Donc, oh, ça glisse, ouais, c'est là-dedans qu'on va aller. C'est là. Il reste des déchets de bouteilles, forcément. Ah ouais. Bon, c'est parti. Bon, allez, on y va. Bon, je vois la bouteille. Oh my god, ça glisse par terre.
Wait until night. Bon, bien sûr, il y a des gens qui ont été laissés des mots. Hein. Ça, c'est pas les mots d'origine. Ah, je te l'ai. Il y a même des gens qui mettent des mots d'amour. Non, mais sérieusement. Bon. Wow. Donc, comme je l'ai dit avant, c'est un hôpital qui a été construit dans les années 90. Enfin, qui a été occupé dans les années 90 et qui a fermé en 95 ou 96. Soi-disant parce qu'il y a eu une vague de décès inexpliqués de tous les patients, enfin d'une partie des patients. Purée. Ouais, je m'attendais pas à ça. Mais... Que s'est-il passé ici? C'est quoi ça? Waouh. Tout a été cassé. Balancer là-dedans. Je me demande bien ce qui s'est passé. Il y a encore des livres. Qu'est-ce que c'est que ça? Place 1, livre de médecine. Apparemment, blood alcohol vitamine C. Ouais, apparemment, c'est un lexique. De termes médicaux. Il y a encore plein de choses. Des registres avec des annotations. Je ne sais pas si c'était le nom de l'hôpital avant. Je pense que la tapisserie devrait être refaite. Bon, va falloir rentrer là-dedans. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc? Là, je suis pas très bien, là. Oh, putain. Ok, bon. Allez, je suis partie, hein. Oh putain. Bon. Respire. Ah putain. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Un bâtiment abandonné. Pour rien. Il y a encore plein d'affaires ici. Oh là là. Des anciennes chambres, j'imagine. Les patients. Qu'est-ce que c'est que ça? Un livre en chinois. Ah non, coréen. Si ça a brûlé, non, c'est de la moisissure en fait. Thank you.
coup, les vents, pourquoi tout est comme ça, défoncé, les portes sont défoncées. Toilette. Ah. C'est un peu... J'ai l'impression d'être dans un film... Enfin, un film d'horreur, oui, mais surtout un jeu. Genre, du genre Silent Hill, quelque chose comme ça. Putain. Ouf. Il y a des pièces qui sont vraiment trop sombres. Qu'est-ce que c'est ici? J'imagine que c'était la salle principale. Une sorte de salle de réunion, salle à manger, salle d'école peut-être, quelque chose comme ça. Oh. Aïe, ma tête. Bon, voilà, on a fini le rez-de-chaussée, donc je pars au premier étage. Des traces de pas sur le mur. Et donc en fait les gens étaient tellement fous ici qu'en fait ils marchaient sur les murs, c'est ça. D'accord. Vous voyez. C'était vraiment un asile de fous, effectivement, ouais. Oh wow. Pourquoi il y en a partout? Encore des chambres. J'ai entendu un énorme gros boum là quand je suis monté. Non. J'ai cru que c'était toi au début. Putain, c'était pas moi. C'est pour ça que je t'ai parlé. Je sais pas ce que c'était, ça devait être le vent ou le plein dans le. Ah ouais, c'est ça, ça doit être le vent. Ah ouais. Ouais, t'envoyer le passage. Oui, alors il y a un gros boom apparemment à l'étage quand j'étais pas là. C'est juste hyper rassurant. Oh, les toilettes, j'aime pas ça, purée. C'est toujours là qu'il se passe des trucs chelous. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Oh my god. Ah. D'accord. Oh. C'est glauque là. Avec la sonnerie de l'école ou je ne sais quoi à côté. Oh purée. Les toilettes encore. Il n'y a pas un bruit. Non, ça j'ouvre pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que c'est. En tout cas, il fait super froid ici. Un bureau, apparemment. Ah.
Ah. Un jeu de go. Des bandes dessinées. Et ben, il y avait beaucoup de résidents ici en tout cas. Je sais pas s'il y a vraiment eu des décès ici, mais en tout cas il y avait du monde. Ça c'est clair. Oh! J'imagine que c'est là qu'ils faisaient la lessive. Alors, il y a quelques minutes, mon acolyte a entendu un gros bruit sourd de l'autre côté du couloir. Ce n'était pas moi. Donc, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté, ensemble. Attends, t'es où, là? Ok. En plus, il y a des portes fermées, là. C'est sympa. Il va falloir les ouvrir. Attends, donc, il y a encore une salle de bain. Je kiffe ça. Toilette. Après, il y a peut-être un SDF qui vit là. Hein? Ah, oh, mais c'est certainement soit le vent, soit oui, l'animal. Oui, le vent. Le vent. Ou un animal, mais bon. Ça... Surtout qu'il n'y a pas de vent, oui, donc non, ça peut pas être le vent. Non, c'est quand même le vent. Mais c'est pas grave, ouais, on va dire que c'est le vent. Pourquoi toutes les portes sont fermées de ce côté-là? C'est étrange. Ouvrons cette porte, elle est bloquée. Non, le vieux plan. Ouais. En même temps, les fantômes, c'est invisible. Hein. Donc, tu sais, même s'il est là, tu le sauras pas. Enfin, pas tout de suite. Ah ouais, celle-là, je le sais pas, je la sens pas. Cette chambre. Rentre un peu. Non, c'est il y a la dernière porte, elle est fermée. Tu vois, genre la dernière, tu sens que c'est là en fait qu'il y a le truc. Ouais, alors. C'est un petit casse-casse la gueule ici. Quoi? Bah non, mais je suis juste terrorisé, moi. Ah d'accord. Ah. Où ça? Là, tu vois que c'est pas... Ah ouais. Je sais pas comment y accéder. Mais... Alors, attends. Tu ouvres la porte? Ah oui. Allez. T'aurais dû peut-être taper avant? Ouais. Pour ne déranger personne. On va voir ça, c'est génial. Oh putain, c'est quoi? C'est sympa. Et je suis désolé, ça date pas des années 90, ça a au moins 70 ans. Minimum, hein. Minimum. À chaque fois que je vois ces trucs pendus au plafond, là, j'ai peur que dans une chambre, on trouve un vrai pendu, en fait. Ah, arrête. Mais non, mais si, je te dis, je vois tous ces trucs pendus. Mais à quoi tu penses? Mais c'est parce que tu... On va avoir un vrai pendu. C'est parce que tu regardes trop de films. Mais oui, mais c'est ça qui est drôle. Van Gogh, il a séjourné ici. Oh! Oh, putain. Mais ça, c'est quoi, ce truc? C'est quoi, ce délire? Oh! Waouh! Incroyable. Ça, je pense. Oh, waouh. Est-ce que c'était un détenu qui a fait ça? Un détenu. C'est pas une prison, attention. Un patient, excusez-moi. Et qu'est-ce que c'est que cette poudre curieuse ici? On goûte? Ah. On goûte si tu veux. Non, ça va. Donc oui, il y avait des artistes ici. Des artistes fous, bien entendu, puisque nous sommes dans un asile. Apparemment, il y a quelque chose là derrière. Pourquoi c'est fermé? C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, c'est la pièce secrète. Oups, pardon. Pièce secrète. Ah, on peut passer. Là, il y a une petite... Faut ouvrir tout le truc. Si on peut. Si c'est pas rouillé. Mais ouais, je pense que c'est... Ouais. Condamné. Bon, on peut atteindre de l'extérieur, mais bon, après, c'est juste une pièce... Une pièce d'interrogatoire avec la chaise au milieu. C'est pas mal.
Et on continue à l'étage. Ouh putain de merde. Oh putain. Ça reste. Chut. Oh putain. C'est ça que j'ai entendu tout à l'heure. Ok. Chut. Alors, chut. Tout d'un coup, il y a plein de portes qui se mettent à claquer là. En bas et à notre étage aussi. Jules, regarde la porte. Oh putain. En bas aussi. Écoute. Ouais. Donc maintenant tu me crois pour le boom. Esprit frappeur, normal. Bon, on va d'abord visiter dehors, comme ça, on laisse l'autre faire le con tout seul. Hein ? Ouais, c'était un terrain de basket. Oui, genre, oui, j'avais. Ah, oh, en plus sous la neige. Ah, trop fort. Ah, oh, waouh, j'adore. Je me sens un mieux. un terrain de basket ou une prison extérieure. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on se sent mieux à l'extérieur là, quand même un peu. Hein. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Oh my god, je vois rien. C'est fermé. Celle-là? Ah oui! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Ah oui, d'accord, c'est un truc genre ils ont. Ouais, ils ont mis les corps dedans. J'ai pas envie de savoir. Magnifique vue malgré tout. Un petit, une petite pause après toutes ces émotions. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? La petite cabane là, elle est sympa. Je sais pas ce que c'est ce bâtiment. Enfin là, il y a un petit, juste ouais. Petite cabane là. Ouais. Donc voilà, on arrive au dernier étage, mais il faut qu'on aille du côté où la porte a claqué, vu que on va peut-être pouvoir rencontrer notre ami Jules ou un autre, hein, peu importe. Ouais, il y a encore une porte qui a claqué, mais tout à l'heure je sais pas, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de vent, donc les portes ont claqué en bas et en haut en même temps, c'était assez flippant, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on est là. Hein. Donc voilà, on va y retourner. Et il fait super froid, j'ai plus de pieds. Trop de bruit cette pièce, elle est trop flippante. Elle fait du bruit? Oui, elle arrête pas. Comment ça, elle fait du bruit? Regarde, elle est chiant. Je sais, c'est beau, mais attends. Quoi, du bruit? Du bruit de quoi? L'électrifiement du truc là sur le côté de l'interrupteur, bon, ça fait pas trop mal. Mais t'entends, t'as l'impression que c'est un animal. Je sais pas si c'est un rat ou un oiseau parfois. Hein? Ah, mais non, mais ça c'est le truc du poly... c'est le polystyrène là qui fait ce bruit. Là. Qui fait ce bruit là? Ouais. Il y a peut-être un truc, je sais pas. Non, ça aurait été flippant que ça vienne de la bassine. Oui. Là, laisse tomber. Dark Water. Ouais, ouais, non, mais de toute façon, les bassines, les grandes bassines comme ça, on sait jamais trop ce qu'il y a dedans, mais on veut pas savoir, hein. Non, voilà. Bon, c'est reparti. Super. Oh putain. Oh. Oh putain, merde. Ouais, c'est ça. 96, c'est bien ce que j'ai dit, ouais. La date de la fermeture. Oh, chut. Oh putain, les portes, ils claquent en bas. T'entends ça? Oh mon dieu. Porte qui grince et qui claque en bas. Super. Oh putain, j'en peux plus. Vas-y, on avance là. Ah, c'est ça. Oh non, merde. Ça, c'est la porte qui... Ouais, c'est ça. Cette porte. Ah. On peut encore monter. Oh non. Ouais, mais après, c'est le toit. Ah, oh putain.
planche. Ah. Mais putain, y a pas de vent, sans déconner. Si, y a du vent, parce que le truc, il bouge, là. Il y a du vent. C'est du vent. Et je dis, ça m'avait fait pareil, juste à côté de moi. Ah, je venais juste de monter, t'étais encore en bas, et j'entends ce gros bruit. Ah, quelle horreur. Oh, merde. Oh. Vas-y, monte. C'est quoi ce bruit? Ah non, c'est toi. C'est quoi, ça? Il y a des gens enterrés là-dessous, quoi. La cabane au fond, là. Oh oui, il n'y a pas de port, ça donne bien envie d'aller dedans. Oh mon Dieu, non. Voilà, encore une porte qui grince, qui claque bien. Il a duré. Enfin, tu l'as filmé, celui-là ? Ouais, je l'ai filmé. Oh putain, oh là là. Oh, viens. Oh putain, vas-y là. C'est trop noir, on était trop dans le... C'est trop noir. On s'en va. C'est déjà appuyé. Ok. Bon, allez, on y va. Bon, je vois la boue. Allez.